Yop, tout le monde, c'est Miss. Comment allez-vous les amis? Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être trop cool, car aujourd'hui, mon frère et ma soeur vont contrôler ma vie pendant 24 heures, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense qu'ils me réservent des trucs un peu dingues et que je vais passer un peu une sale journée, parce que vous commencez à connaître ma petite soeur, et ma petite soeur, elle est un peu méchante et sadique par moment. Du coup, les amis, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et puis oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Comme vous pouvez le voir les amis, je suis dans mon lit parce qu'en fait je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller parce que ça va être une vidéo assez spéciale aujourd'hui. C'est mon frère et ma soeur qui vont contrôler ma vie sur Minecraft. Du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est pour ça mettez un max de pouces bleus. En plus ils arrivent, oui, entrez. Mettez un max de pouces bleus pour me soutenir. Salut. Alors, t'es prête pour ta super journée? Ah bah oui oui, les abonnés ils sont prêts aussi parce que du coup je filme ça. Ah. C'est pour ça il faut dire bonjour aux abonnés. Bonjour les abos. Bonjour les abonnés, bonjour les bébés. On t'a prévu des trucs de malade. Oh là là, j'ai trop peur. En plus sur moi j'ai plein de cookies pour me réconforter. Ouais, des patates. Mais t'auras pas besoin des cookies et des patates. Ok ok, bah... Alors on va commencer par le commencement, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trop de cookies. Ah ouais, oui bah du coup on commence par quoi? On va descendre pour le petit déj. Déjà on va aller dans la cuisine, allez let's go. Prenez les cookies! Il est pris! Ah, mais j'ai encore des cookies! Mais je sais pas ce que les cookies. T'as un verso sur toi? Tu veux te mettre sur quelle table? Alors, comment ça? Bah, ta table ici ou ton plan de travail style cuisine? Bah, moi j'aime bien le plan de travail pour le petit-déj, je trouve ça plus chill. Ok. Alors, pour le petit-déj, tu vas devoir manger ça. C'est du chorizo. Du chorizo au petit-déj? Ah bah ouais. Oui. Mais ça... Histoire d'avoir déjà... Ah les amis, c'est répugnant. C'est les Anglais qui font ça, manger du saucisson. Ouais, mais alors par contre, je te garantis que c'est bon pour les intestins. Si jamais t'as des problèmes de constipation, ça devrait régler le problème. Et tiens, des champignons. Quoi? Des champignons? Ah, voilà, je peux pas avoir des céréales. Vous voulez pas me donner des céréales? Non, non, non. Non, non, non. Allez, on mange le petit déj. On respire, tu prends une grande bouffée d'air et croque. Ham. Ham. C'est bon, mais... Et au moins, tu n'auras pas de problème de transit aujourd'hui. J'ai pris qu'un croc, je te laisse, reste parce que j'ai pas trop faim de toute façon ce matin. Alors, voilà. Du coup, maintenant la deuxième étape. Alors là, c'est la petite frangine qui va s'en occuper. C'est les vêtements. Oh, on s'assoit. Oui. Mais on s'assoit pas sur le plan de travail. C'est pas toi qui nettoie. Ouais. Bah c'est moi qui sais qui sait ce que tu vas porter. Alors. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nettoyer. Du coup, alors déjà, je t'ai prévu quelque chose. Oui. Je pense que tu vas aimer car tu devras porter ça. Quoi? Je dois porter ça? Bah attends, je vais me changer. Okay. Bon les amis, je coupe 2 minutes les temps que je vais me changer. Et hop, je me mets dans la salle de bain et je vous retrouve juste après, ok? Oh, regardez les amis, la jupe, en vrai, elle est mignonne, mais ça fait trop bizarre d'avoir une jupe. Je mets jamais de jupe. Ouais, j'ai toujours l'habitude de ma tenue, bon, on va voir ce qu'ils en pensent. Regardez. Ah bah regarde, ça te va super. Par contre, elle s'est un peu endormie sur le plan. Mais on s'endort pas sur le plan de travail, réveille-toi. Mais non, mais les amis, regardez ça, elle s'endort sur le plan de travail. Elle a pas beaucoup dormi cette nuit, elle a préparé la journée, alors elle a pas beaucoup dormi. Regardez, alors, il y a la deuxième petits... étape. Mais coup, attends, la troisième étape, elle a même pas fait un petit commentaire sur la jupe. Ah ouais, vas-y, vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Elle est belle. Ouais, je trouve que tu l'as bien choisie la jupe. Ouais. Ça lui va bien avec sa petite carotte. Ouais, c'est pas une carotte, c'est un ananas. C'est une carotte. Tu te fous. Pour moi, c'est une carotte. Oh, c'est une carotte. Du coup, tu fais peur. Du coup, maintenant, après, on a prévu une petite sortie. Oh, ouais, on va aller faire du shopping. Ouais, mais avant la sortie, il y a un peu de ménage à faire. Quoi? Bah non, c'est... Quoi? Non, c'est sérieux. Ah, mais tu stop, mais c'est quoi? C'est le caca de Diego que t'as stocké? Ah, c'est ça. Ah, en fait, il a fait caca pendant 2 jours et j'ai regardé tout son caca et son pipi. C'est horrible. Moi, j'ai pris le pipi, Diego. Ah, les amis, vous avez pas l'odeur à travers votre écran, mais c'est horrible. Ça... Il y en a partout. Je peux vous jurer que ça pue. Hein. Il avait mis partout. Regardez, les amis, il faut que je nettoie tout ça. Non, mais sérieux. Et ça se voit, toi, encore, t'habites pas là, mais... Ah, j'ai marché dedans. Mais... Il y en a même dans la chambre. Mais Eden! Alors, par contre, pour aller dans ta chambre, tu vas devoir faire un peu de nage à travers le pipi. Je vais devoir nager dans le pipi, les amis. Oh, j'ai vraiment pas envie de nager dans le pipi. Oh, c'est horrible. Ah, mais là, t'as pas vraiment le choix, là. Ah là là, mais Eden, toi, tu vis ici. Ah! Je vais me.
C'est un... Je peux... C'est un défi de... Allez, on passe à l'étage. C'est un... Je peux pas me retenir. Ah, les amis, c'est au... Ah, je vais me noyer dans du pipi. On y a peut-être été un peu fort, là. Non. Elle avait qu'à pas accepter, hein. Mais sérieux, vous êtes, j'espère que vous allez être sympa avec moi au moins une fois dans la journée, qu'on va faire un truc cool, quoi. Non, mais sérieux. Nettoyer du caca, qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? Parce que tu nous as dit que tu voulais passer une journée où on choisissait ce que tu faisais, mais tu voulais que ce soit drôle. Bah oui, drôle. Mais oui, mais je pensais que ça allait être drôle en mode on va aller au parc d'attractions, on va s'amuser. Mais là, t'inquiète pas. Ah ouais, et du coup, je crois que j'ai tout nettoyé. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup? Oh, les amis, j'ai... Alors, moi, j'ai deux propositions. Je vais laisser Dan choisir. Soit on va à la bananerie, soit on va en prison. Non, la bananerie. La prison, ce serait pas mal, la prison. Okay, on va l'enfermer dans une cellule. Mais pourquoi? Mais la bananerie, c'est cool. Dan, tu veux pas aller à la bananerie? J'ai pas envie de manger des bananes. On te laisse conduire. On est sympa, on te laisse conduire. Ah mince. Mais on va à quelle prison? Parce que j'ai cru savoir celle qui est à côté de chez toi, là, la plus près. Ok. Alors. Allez, tu te dépêches, allez. Non mais ça va, oui. Toi tu vas voir. De toute façon, on va faire une journée aussi où je contrôle ta vie. Tu vas voir. Ah ouais. Ça va être drôle. Mais Dark Luke, on était censé être ensemble, là. C'est quoi ça? Ouais, mais il faut bien s'amuser un petit peu. Alors, par contre, je connais pas trop l'entrée de cette prison, je suppose que c'est pareil. Bah, normal, qui connaît la prison ici? Quelqu'un connaît la prison? Moi, j'ai jamais été. J'ai déjà été. Disons que moi, je mets les gens en prison, mais j'y vais pas en prison. Moi, j'ai déjà été en prison parce que j'avais volé un truc à la bijouterie. Allez. Quoi, mais. C'est par là, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais elle était pas censée le savoir, hein. Qu'est-ce que c'est vrai, depuis quand tu... Mais c'est n'importe quoi, les amis, là, il se passe n'importe quoi. Je trouve pas les endroits, je suis désolé, hein, je connais pas les lieux. Bah ouais, bah fallait m'emmener à la bananerie c'est pas très grand, qu'est-ce que c'est que ça? La bananerie, c'est nul. Comment on fait pour être prisonnier dans ce monde, dans cette ville? C'est par là, j'ai trouvé. T'as trouvé? C'est sur le côté ici, on peut aller par là, on va accéder... C'est trop nul, ouais, non, c'est pas par là. Si, c'est par là. Mais j'ai pas envie, moi. Mais si, t'avais qu'à pas accepter, toi. Mais pourquoi vous voulez que j'aille en prison? Mais pour que tu saches l'effet que ça fait d'être en cage. Mais c'est trop nul, j'ai déjà fait 50 jours en prison, c'était vraiment pas fou. Oui, bah tu vas la refaire, ces 50 jours en prison. Je te laisse passer en première. Super. Non, là, c'est pas 50 jours, ça va, c'est quelques minutes. En plus, je crois, elle me dit un truc, cette prison. Et encore, ton mec il y est enfermé alors. Ah, c'est pour ça qu'on le voit plus en ce moment. Voilà. Allez, on va dire que t'es ici. Voilà. Ok, bah maintenant on y va. On va faire un petit tour, on revient dans 5 minutes. Non, en vrai, le design de la cellule, regardez, j'ai petite vue. Franchement, j'ai la plus belle vue de la prison, petite vue sur la cour là-bas. Par contre, mais vous pouvez revenir quand même. Attends. Vous pouvez revenir. Regarde, je me mets juste là. Regarde, je suis derrière, je te vois. Mais viens me sauver. Mais venez. Mais moi je suis gentille. Non, j'ai pas envie. On va la libérer. Regarde, j'ai ça alors que pas toi. Allez, vas-y, sors. Mais c'est pas cool, toi là, on va se venger. Attends. Les abonnés, dites-moi en commentaire ou sur Instagram si vous voulez que on se venge. Ah non, c'est pas par là. C'est pas par là, oui. C'est par où les douches? Bonne question. Mais je vais pas me doucher devant vous, c'est hyper bizarre de faire ça. Ah non, on t'attend devant. On te laisse aller te doucher parce que t'es habillé, mais t'as pas encore été lavé, donc on va la laisser. On fera un petit bain. Bon, bah, je prends une douche habillée, hein. Bah, ça va, l'eau est bonne. Ça va, y'a pire. y'a du pipi, vous m'avez enfermé. Heureusement, j'ai encore de quoi nettoyer. Ah, mais non, vrai! Alors, c'est bon, ça, c'est franchement pas cool. Non, mais sérieux, c'est un garage, les douches? Non, mais vraiment? Bah, allez, let's go. Je veux partir d'ici, c'est vraiment trop nul cette prison. Bah, non, on va aller. Elle est trop bien, justement. Non, elle est caca, comme toi. Par contre, qui a le code? Attends. J'ai réussi à voler la plaque de pression. Ah, nickel, parce que j'allais dire là, sinon on est un peu dans le caca quand même. Hein. J'ai des petites mains. Bah moi aussi j'ai réussi. C'est moi qui ai pris la plaque de pression. Oui, mais je l'ai remis à sa place. Ouais, mais toi t'as... Sinon, on va se retrouver vraiment enfermé après. Mm-hmm.
Déjà là, j'ai dû soudoyer un garde pour qu'il nous laisse passer le temps de là, quoi. Oh là là, on va dire. J'ai les relations pour, hein, donc ça va. Et c'est quoi la prochaine étape? On fait quoi maintenant? Bah, on va aller manger. Ouais, on va aller manger quoi? On va, je suis sûr, on va manger des trucs gros mules. En plus, on est, en plus, il y a le KPC qui est pas loin, on pourrait y aller. Non, c'est KPF. KPF, il est mais pas loin. On va aller voir en ville. On va aller voir en ville. On va aller. Il y a un centre commercial normalement. Oui, il y a un centre commercial. Pour le repas du midi, à la limite, on peut être sympa. Il me semble que j'ai entendu dire qu'il y avait un fast-food, je crois, dans le centre commercial. Bah, il y en a un à côté. Il y a le KPF. Moi, je veux le KPF. Non, il y en a un dans le centre. C'est Burgies, je crois que ça s'appelle. Burgies. Ouais, c'est dans le Sunball, dans le centre commercial, en fait. Ok. Bah. Et c'est moi qui vais chercher la nourriture. Ça marche, ça marche. Parce que moi, j'ai des petits contacts. T'as okay. Des contacts, mais quoi? Alors, du coup, je te garantis pas que tu vas vraiment manger un burger. Mais moi, je vais manger quelque chose de bon, sérieux. J'ai nettoyé du caca et du pipi. J'ai été en prison. Je porte une jupe toute bizarre. J'ai mangé plus, du chorizo. Ah, pas conduire. J'ai mangé du chorizo au petit déjeuner. Je pense que je mérite. Tu sais ce qu'on devrait faire, Eden, un de ces quatre? C'est payer le permis à ta sœur. Parce que je me demande si elle l'a, en fait. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que. Un de ces quatre, on va se retrouver en cabane juste parce qu'on sera monté en voiture avec elle. Bon, il faut mettre au garage la voiture, au parking. Attends, je vais aller ouvrir. Tu peux ouvrir, s'il te plaît. Je vais aller ouvrir. Tu peux ouvrir de l'extérieur, non? Non, ça s'ouvre que de l'intérieur. Normalement, c'est censé être fermé, donc c'est pour ça. Ah, mais c'est que c'est un magasin! C'est pas un parking! Mais c'est pas grave, exceptionnellement, on va se garer là. Mais de toute façon, il y a le même modèle que ma voiture. Voilà, du coup, regarde ici, il y a un beau petit magasin de fleurs, tu vois. Ah oui! Joli, hein? Ouais, mais t'auras pas de fleurs. T'auras pas de fleurs. Là, c'est quoi? Là, en face, c'est la banque. Ah, PIP! Bon, tu... Bah oui. Du coup, il me semble. Apu! Alors, là, il y a chez Apu, mais il est pas encore là, t'as vu? Et regarde, tu vois, il y a Burgies! Ah, oh, il est trop joli, le logo! Ouais, on peut manger Burgies! C'est cool, hein? Je vais voir, c'est moi qui prépare. Allez, on s'installe, on attend qu'Eden nous ramène les. Non, les, mais les j'ai vraiment envie de manger un bon burger là, sois sympa, Eden! Bah, écoute, là, j'avoue, même moi, je sais pas ce qu'elle va ramener. Regarde, en plus, là, on peut voir les menus. Oh, là, ouais, là. T'as vu ça? C'est classe! Hein. Ok, j'ai tout. Ah, alors, bon, bah, là, les repas. Regardez les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Camille, ça va être. Ça. D'accord, des pâtes. Des pâtes chinoises, avec une fleur. Ah, c'est stylé, et, en vrai. Et, hein. Et pour moi et Dark Luke, alors, du choix, un gâteau au chocolat. Oh, ouais. Quoi? Tiens, j'avais oublié de te donner les carottes. Mais quoi? Attends, faut qu'on se mette sur la table derrière, sinon elle va nous piquer notre repas. Mais je veux... Mais quoi? Non, c'est notre repas, ça. Toi, t'as ton repas, là. Mais là, pour la suivante. Mais moi aussi, je veux un burger. Non, mais sérieux, non. Cette journée, elle est nulle. Elle est trop nulle, cette journée. Non, vous n'êtes pas gentil avec moi. Attends. Bon, on peut au moins lui donner un coca. Quand même. Mais oui, au moins un coca. Ouais. Au moins ça. Merci. Un coca? Ouais, si, allez, au moins un coca. Ok. Peut-être un coca, c'est vrai que tu l'as mérité. Tiens. Ah, cool, un coca. Bon, moi j'ai un coca, les amis. Moi, mon coca, il s'est retrouvé par terre. Un creepy cola, regardez, c'est un creepy. Un creeper cola. On a été sympa, t'as quand même une bonne boisson. Mais par contre, il faut que t'arrives à manger au moins la moitié de l'assiette. Hein. Mais j'ai tout mangé, j'avais trop faim quand nickel. Même. Mais... Ah, tiens, regarde, si jamais plus tard tu veux d'autres vêtements, tu vois, ici, il y a mangue. Mais oui, j'avais pas pris le. En fait, la ville, elle évolue beaucoup avec t'as vu le ça, temps. Et là, on a un petit magasin. Ça va être peut-être pour Diego plus tard. Ou même maintenant. C'est cool. Avec Diego, je vais pouvoir m'amuser avec lui, avec les cacas. Quoi? Ouais. Alors, du coup. Mais qu'est-ce que tu si fais on... là? Si, mais si moi. Mais tu as bu combien de coca là? si on rentrait. Alors, je vais prendre un peu d'avance. Je te laisse raccompagner notre sœur à la maison. On va aller prendre. On va aller un peu dans la piscine. Quoi? Dans la piscine de la maison voisine. Ah, c'est vrai? Et je vais pouvoir venir? Ouais, mais alors attendez, je pars à l'avance, attendez-moi sur le côté, et je vous dis quand vous pouvez me suivre. Ok. Allez, vas-y, tu peux commencer à faire la route. Pourquoi? Mais faut qu'on prenne la voiture. Il a pris la voiture, faut qu'on prenne la voiture ou pas? Attends. Dark. Je vous ai laissé la voiture. Ah oui,
J'ouvre le... Vas-y, viens. Vas-y, conduis. Conduis bien. Et peut-être que tu auras une récompense. Mais arrête. Je te rappelle, là, j'ai le pouvoir, là. Si je veux, je fonce dans plein de murs. Sauf que moi, je peux très bien sortir de la voiture. Bah, plus maintenant, elle est en route. Tu vas te faire mal. Regarde, je conduis bien, là. Je me demande ce que Dark Luke... Enfin, ce que Dark Luke, oui, enfin, ce qu'il a préparé. Alors... En plus, la maison, elle est un peu loin. On est un peu loin du centre. On va pas se mentir. Hop. Oui, non, là, il faut... Non, c'est pas là que je tourne, c'est après. C'est vraiment... Je suis un peu éloignée. Qu'est-ce qui s'était passé sur le côté Où ça? Derrière. J'ai cru voir du feu, de la lave. Ah je sais pas. On aurait dit un volcan. Pourquoi il y a... Oui, non, mais faut pas chercher. Cette ville, elle est un peu bizarre. Je veux prendre le cheval. Non. Je prendrai ce cheval. Non. Je le veux. Je le prendrai tôt ou tard. Tu t'en rendras même pas compte que je l'aurais pris. Ben ouais, bien sûr. Ça se trouve là, il est actuellement dans ma poche. Mais n'importe quoi, arrête de dire ça. Tu peux tout stocker. Tu peux pas mettre un cheval dans ta poche. Oula. T'as vu là, ça va, là, je conduis bien. Bon là, c'est que c'est un passage un peu compliqué. Hop. Hop. Mais il est arrivé vite, je sais pas s'il est déjà arrivé, mais... Et attends là. Attendez avant de venir, hein. Je vous appelle, hein, j'ai presque fini. On va dire que c'est bien comme ça. Regardez avec ma jupe, l'allure que j'ai là. On dirait une ballerine. Belle. C'est trop belle. Est-ce qu'on peut rentrer dans la maison? Pas tout de suite. Attendez Camille, encore un instant. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Je suis sûre, elle fait des trucs nuls, j'ai trop peur là. Oh là là, et s'il vous plaît, faites des trucs sympas. Je suis sûre, il a fait un truc nul chez moi. Il est en train de faire le bazar. Venez, on va dans la piscine de la maison voisine. Hein. Ah bah je peux rentrer dans ma maison alors. Venez, dans ta maison, oui, tu peux, sans problème. On va espionner à la fenêtre. Est-ce qu'on voit quelque chose depuis là? Non, je vois rien. Oh, il y a la dame du KPC là-bas. Du KPF. Est-ce qu'on peut venir maintenant? Presque. Je vais venir voir. Maintenant, je veux voir. Ah, faut traverser l'eau pour aller à la piscine, du coup, de la maison de Star. Hop. Bonjour, madame. Hop. Oh! Tu fais caca dans la piscine? Non, mais sérieux, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Te baigner. Non, je me baigne pas dans du caca, c'est mort. Je me baigne pas dans du caca. Mais je peux pas faire ça. Mais c'est Eden qui doit se baigner dans le caca. Eden, non, viens voir, il y a le caca. Ah non, mais je plonge juste dedans et après j'en ressors, voilà. Ok. Ah non, tu dois rester au moins 30 secondes. Tu rates un truc, mais après le pipi, le caca. Ah, je ressors. Ah non, mais non, elle aurait pris trop de plaisir à voir ça. Ah, c'est ça. Maintenant, t'as plus qu'à nettoyer la piscine. Hein. Mais je sais même pas comment je peux nettoyer ça. Tu remets de l'eau dedans, hein, écoute. Faut pas que je rebouche tout. Si, rebouche d'abord et on mettra de l'eau après. Et regarde, je suis sympa, je vais t'aider en plus. Bah oui, c'est nul. Moi j'ai un... Ah, t'es tombé dedans. Il est tombé dans le caca aussi. Il faut qu'on rebouche tout. Bah super, hein, dans la maison de Star en plus. Bah quoi, fallait bien qu'elle serve cette maison. En plus, j'ai entendu... Ça a été Star 24 heures. C'est une maison de riche, je sais pas qui va y emménager, mais c'est vraiment une maison de luxe. Bah en vrai, je me tâte à réfléchir, peut-être qu'on va l'acheter pour moi et Eden en fait. Ouais. Ah comme bon ça, on Dieu sera pas loin. Ouais. Bah à voir, pourquoi pas, on verra. Comme ça, on sera pas très loin, tu vois. Mais je sais... Mais oh là là, mais c'est... C'est trop embêtant. Mais qu'est-ce qu'a fait Eden, d'ailleurs? Je sais pas, elle doit préparer la suite. Quand elle est silencieuse comme ça, c'est qu'elle fait des bêtises. Ouais, j'avoue, par contre, c'est jamais bon quand elle est calme comme ça. Je vais préparer le truc d'après. Ok, d'accord. Ah là, mais c'est trop long, je suis désolée les amis, ça prend du temps, mais faut réparer la piscine quand même, parce que les gens qui habitent là... Et c'est quelque chose qui va te plaire normalement. Ou sinon, au pire, laisse comme ça, on me réparera après au pire. Ouais, mais au moins, tu vois, regarde, j'ai déjà enlevé les blocs, après il n'y aura plus qu'à mettre de l'eau, tu vois. Ben ouais, mais après... Il n'y aura plus qu'à retourner dedans.
Hop. On peut faire ça rapidement. Ah, il y a encore du caca. C'est bon, normalement, c'est bon. Ah. Faut juste réparer les murs parce que t'es pas très doué par la réparation des murs. Non, hein. Non, désolé, moi je suis un peu nul. Tu casses mais tu répares pas. Regardez-moi ça, elle a fait des trous partout dans les murs. Ah non, c'est trop dur en fait à réparer une piscine. C'est... Elle est nulle cette journée. Hein. Normalement, j'ai fait quelque chose qui devrait te plaire. Non. Normalement, ce sera le premier truc qui va te plaire. Non, je suis sûre que c'est un truc nul encore. Oh non, elle a eu du coca, ça lui a plu. C'est vrai. T'as fait un truc gentil, toi, faire un truc gentil. J'y crois pas. Ouais. Bah, viens, au pire, on finira de réparer après. Viens, on va voir ce qu'elle a fait. C'est où? C'est dans non, la non, maison? Non, 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 pas maintenant. Ah, je suis en train de préparer. Il y en a pour combien de temps? T'inquiète. Ok, bah je vais faire une petite coupure le temps qu'elle le fasse et comme ça on répare la piscine tranquillement. Non, tout de suite. Bon, du coup, les amis, c'est bon, Eden a fini ce qu'elle a fait. Moi, je crois zéro que exactement. C'est un truc cool. Donc, franchement, si tu verras, elle m'a montré vite fait, regarde, ça va être sympathique, ça va être rigolo. Regarde, ça va être entre Eden et toi. Voilà, vous allez devoir faire une course. Quoi? Et au bout de la course, il y a un petit cadeau. Quoi? Mais moi, j'ai jamais fait ça, je suis sûre que je suis nulle. Ah bah écoute, si tu veux gagner ce qu'il y a au bout, t'as pas de choix. Quoi? Oh vas-y, voilà. C'est parti, j'y vais. Je m'en fiche, je prends de l'avance. Moi j'ai jamais fait ça. Ah, non. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok, j'avoue, elle prépare un truc cool. J'ai jamais fait ça avant. Pourtant, je crois que c'est un truc qui est connu sur les events de serveurs. C'est un truc qui est beaucoup fait. Ah. Mais ça me... C'est dur hein, de voyager dans la glace. Non! T'es presque. Ah, je veux gagner! Non! Non! Je vais perdre, je vais pas avoir le cadeau! Et ben voilà, t'as perdu! Bah, j'ai gagné! C'était quoi le cadeau? De toute façon, le cadeau c'était un fake, en fait c'est bloqué par des barreaux. Quoi? En fait, elle te faisait miroiter du coca, des fruits. Non, je suis trop déçue! Donne-moi le coca! Du coup, cette journée, elle se finit sur ça. Comme vous pouvez voir, c'est la fin de la journée. Là, il y a le soleil qui se couche. Mais en tout cas, bon, j'ai quand même rigolé, même si vous n'avez pas été très sympa. Mais Eden, je retiens. Moi, je prends ma pause, tranquille. Je m'installe. Je me vengerai encore, toi. Encore, toi, t'as essayé d'être sympa avec moi et tout. Mais Eden. Oh, sympa. Je suis pas sûr que la piscine. Oui, mais t'as essayé d'avoir un peu d'empathie. Ouais, quand même, j'ai même aidé à réparer un peu. Bon, du coup, les amis, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager et de venir me suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.